Voici l'histoire de Boucle d'or et du papillon poudré. Un jour, j'ai rêvé que j'étais un papillon. Je volais librement dans les champs, me gorgeant jour après jour d'un savoureux nectar que je trouvais en abondance dans de grands bouquets de fleurs multicolores. J'étais tellement heureux de flotter dans l'air frais du printemps et de sentir la brise légère du matin me caresser doucement les ailes. Mes amis papillons virevoltaient autour de moi, au sein d'une forêt de pétales aux mille odeurs délicieuses. Je m'étourdissais de bonheur, tandis que ma petite trompe d'insectes se gorgeait sans cesse, tout en volant de ce breuvage floral au goût de miel, mélangé. À ce qui ressemblait, du plus vrai que je m'en souvienne, à un cocktail de les fraises et de grenadine joyeuse. Mais soudain, quelque chose de bizarre se produisit. Alors que je volais, moi, le papillon majestueux, paré de mes plus beaux atours, j'ai commencé à perdre quelques petits bouts d'ailes Au début, cela ne me gênait pas dans mon vol, mais peu à peu. J'ai senti que mes quatre bras tout plats s'effritaient, se désagrégeaient. Bientôt, mes ailes se transformèrent en pépites de poussière d'or, sorte de poudre de perlimpinpin. C'est alors que je suis tombé d'un coup sur le sol, totalement désemparé. Et je me suis ensuite évanoui, terrassé par la brutalité du choc. À mon réveil, Combien de temps s'était-il donc passé? Je ne le saurais jamais. J'ai réalisé que je ne pouvais plus voler. J'étais terrifié à l'idée de ne plus pouvoir être moi-même. Qu'est-ce qu'un papillon sans aile? Qu'allais-je devenir à présent? Je ne ressemblais plus à rien. Au mieux, à un petit bout de bois qui se tortille. Au pire, à un pauvre ver de terre tout ridicule. C'est alors que j'ai vu une petite fille aux cheveux longs, avec de précieuses nattes blondes, s'approcher de moi. Elle m'a pris délicatement dans ses mains et m'a caressé avec un léger sourire, comme pour me rassurer. Elle était non seulement remplie de gentillesse, mais elle respirait aussi la douceur. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux et a déclaré tranquille. Je m'appelle Boucle d'or. Ne t'inquiète pas, petit papillon, je vais m'occuper de toi. Je t'ai vu chuter comme une pierre, et si je t'ai ramassé, c'est que je veux devenir ton infirmière. J'aimerais que tu acceptes mon aide, car, je ne sais pourquoi, je n'ai de cesse que de vouloir te sauver. Tu es tombé du ciel, ajouta t-elle. Alors, qui sait si ce n'est pas le ciel lui même qui m'envoie? Je lui répondis avec une toute petite voix de papillon sans aile à la gorge sèche. Ai-je le choix, boucle d'or? Tu es mon seul espoir. La demoiselle m'a emmené chez elle et m'a d'abord nourri avec du nectar de fleurs, avec un peu de miel. Et, chose bizarre, elle me fit au moment où je clignais des yeux une petite piqûre avec à l'intérieur du jus de fraise tagada. Elle prit vraiment soin de moi à chaque instant, me protégeant des prédateurs et m'aidant à me rétablir. La fillette avait eu la bonne idée de ramasser la poussière de mes ailes tombée dans ma chute sur le sol. Chaque jour, elle prenait un peu de cette poudre dorée et la soufflait sur mes ailes renaissantes. C'est ainsi qu'elles ont commencé à repousser, jour après jour encore plus fortes, encore plus belles. Elles sont devenues chatoyantes et elles sentaient bon à présent, bon comme les fruits mûrs du printemps. Finalement, le jour est arrivé où j'ai pu voler à nouveau dans le ciel bleu de mai. Cette fois, j'ai vu revolter avec plus de force et de grâce que jamais auparavant. À ce moment précis, Boucle d'or qui semblait sortie d'un conte de fées, tellement sa beauté m'éblouissait. Oui, boucle d'or était là, à me regarder, souriante et joyeuse. Cet instant aurait pu durer plusieurs éternités, tellement nous étions heureux. Mais nous savions au fond de nous-mêmes qu'il était déjà temps de nous quitter. Elle me fit un joli signe de sa main. J'ai même cru voir quelques larmes de sel couler de ses yeux un peu tristes. Alors, par un léger battement, je fis tomber les dernières miettes de poudre encore accrochées à mes ailes. Elles caressèrent ses joues roses comme un baiser. Mes amis papillons, qui guettaient mon retour, m'applaudirent de leurs ailes légères. Celles ci chatoyaient parée de toutes les couleurs du monde, comme celle du magnifique arc-en-ciel qui maintenant nous entourait. Je me suis retourné une dernière fois. Ma nouvelle amie n'était plus qu'un tout petit point entouré de lumière, à jamais dans mon cœur.